On remercie Rémi, on va remercier Rémi et on va aller maintenant. Dernière chose, oui, non, très vite. Après moi, je pense quand même qu'il y a un lien aussi avec l'immigration maghrébine qui, clairement, je vais le dire, mais ça n'engage que moi, qui nous reproche notre passé colonialiste. Pour moi, la guerre en Algérie n'est pas finie et au contraire, elle est en train de se retourner contre nous. Et vous le constatez dans la Drôme, ça? Mais vous rigolez ou quoi? Dans la Drôme, on a le quartier de Fombarlette à Valence. C'est la plus grosse plaque tournante de drogue de Drôme. Et peut-être même plus. Non, mais franchement, on est en train de se faire... Et vous faites un lien avec la guerre en Algérie? Mais bien sûr. Mais quand on se fait traiter de sale blanc tous les jours, vous croyez que ça veut dire quoi? Il y a un moment donné, il faut aussi mettre les mots en face des actes. Eh ben, j'allais y venir. Je pense que vous avez entièrement raison, Rémi. C'est que le sujet est avant tout culturel. C'est-à-dire que pour une partie... de Français ou d'étrangers présents sur notre sol, la France est détestable. On leur a appris à détester la France. Et donc l'autorité est détestable par essence. Mais c'est bien ce que je veux dire. Je t'ai parlé de français également. Mais il y a un mélange culturel de détestation d'un supposé passé colonial et il y a aussi un mélange culturel lié à la religion musulmane.